Démarrant tout de suite ce journal au Burkina Faso, où le Grand Prix de la poésie Thomas Sankara a été lancé officiellement le 21 décembre 2019 à l'occasion de l'anniversaire de naissance de Noël Isidore Thomas Sankara en 1949 et dont l'appel à candidature a eu lieu en février dernier. Sur rémi le 21 mars prochain à Ouagadougou pour sa deuxième édition, la structure organisatrice Afrique Willila en a fait l'annonce le 6 mars dernier. Au cours d'une conférence de presse est donnée à Ouagadougou. Par ailleurs, les recueils de poèmes lauréats seront publiés le 15 octobre 2020, qui ramène au 33e anniversaire de l'assassinat de Thomas Sankara en 1987. Au Bénin, la deuxième édition du Festival du Livre s'est tenue de la période allant du mois de décembre 2019 au mois de février 2020. Cet événement regroupe en son sein près de 900 participants, élèves et enseignants du Bénin. Cette belle initiative est une rencontre littéraire qui se déroule dans les différents collèges du département de Zou et rassemble plusieurs collèges. Ainsi, le festival a mis à la disposition des participants 354 livres, dirigés et soutenus par la structure mère du FESAL, l'ONG pour l'épée, les partenaires techniques tels que l'OAPE et l'AFPB. Cette belle initiative méritant d'être saluée est une motivation pour la littérature africaine et un bel encouragement pour la jeunesse béninoise. Direction le Maroc à présent où la onzième édition du salon régional du livre et de l'édition de l'Ayounes s'est tenue du 11 au 17 mars dernier autour du thème la culture un levier essentiel pour le nouveau modèle de développement il s'agit d'une initiative de la direction régionale du ministère de la culture de la jeunesse et des sports qui selon les responsables s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie du ministère de tutelle visant à rapprocher les écrivains du public et a encouragé la lecture sur le plan local, régional et national. Cette onzième édition du salon a été baptisée du nom de la juriste Hassani Bentek Bakar. 32 exposants représentant les maisons d'édition nationales des départements gouvernementaux et des organismes gouvernementaux ont pris part à l'activité en plus des fesses espaces réservés à des librairies locales, a fait savoir le directeur régional de la culture, Layoun Sakia, El Amra, Seine et charfi. Du 9 au 14 mars dernier, s'est tenu dans trois villes telles que Port-au-Prince, Jackmel et Gonaïve le marathon de lecture lancé sous l'égide du Petit Lectorat qui vient de fêter son 11e anniversaire en Haïti. Lancé officiellement le 9 mars 2020 à la direction nationale du livre sous le thème Laissez passer le livre, le marathon de lecture a pour principale mission de faire la promotion de la lecture publique en Haïti et à l'étranger à travers notamment des spectacles et de lecture, des rencontres littéraires, des ateliers de lecture dans des écoles publiques et privées. Cette année, le marathon de lecture a débuté à Port-au-Prince avec la lecture d'un texte, Gunshot et Moïro sous l'hospice de. Rolafton Mercu et a poursuivi dans deux autres villes, à savoir Jackmel et Gonaïve. En Haïti, toujours la quatrième édition du festival Paoli, la puissance du verbe s'est tenue du 12 au 14 mars 2020 au Gonaïf dans le département de l'Artibonite, lancé cette année sous le thème « La littérature pour quoi faire ». Cette grande manifestation littéraire a été riche en activités telles que des expositions de livres, des ventes signatures, des ateliers, des causeries, des conférences et des récitals de poésie et de slam ces diverses activités ont eu lieu notamment dans les institutions scolaires et universitaires dans le centre culturel de l'amarante dans la résidence bois débris et l'endroit principal a été l'alliance française des gonaïves notons toutefois que le festival s'est déroulé en absence de l'invité d'honneur jean eiffel milcé qui était empêché à cause d'un souci familial ce festival littéraire selon l'initiateur laisse les succès vit d'une part. À la promotion de la littérature et la liberté de la parole, et d'autre part, la rencontre entre les lecteurs et les auteurs. Et enfin, il plaide pour une réforme pour l'enseignement de l'histoire de la littérature à travers des institutions scolaires. Par ailleurs, conclut M. Succès, nous voulons encourager nos responsables à intégrer la littérature contemporaine dans le programme scolaire. C'est là l'objectif principal de nos activités. Voilà qui m'a un point d'arrêt sur cette édition de l'information. Merci à vous d'être. Restez en notre compagnie. Rendez-vous la semaine prochaine.